Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir une présentation de PicoVox. PicoVox est une extension qui permet de lire des textes dans la suite LibreOffice. Tout d'abord, où se trouve PicoVox? Eh bien, PicoVox se trouve ici, dans la barre d'outils. Cet outil, par exemple, permet de configurer. Ici, j'ai choisi la langue en français. J'ai réduit la vitesse à 80. Par défaut, en général, elle est calibré pour 100. Donc si vous voulez ralentir un petit peu, vous mettez 80. Ici, vous avez des options que vous pouvez activer ou pas. Si je sélectionne ici une partie du texte, avec ce bouton, je peux lire la sélection. Suzanne habitait depuis bientôt. Sinon, si je me mets en début de paragraphe ici, je peux lire la phrase courante. Suzanne habitait depuis bientôt 10 ans un studio en rez-de-chaussée d'une résidence pour seniors, modeste mais propre, avec vue imprenable sur le parking et les poubelles. Sinon, vous pouvez lire ici l'ensemble du paragraphe. Suzanne habitait depuis bientôt 10 ans un studio en rez-de-chaussée d'une résidence pour seniors, modeste mais propre, avec vue imprenable sur le parking et les poubelles. Une situation privilégiée. Alors j'arrête, vous remarquerez que chaque fois qu'on lit une portion de texte, elle est surlignée en jaune, ce qui est très pratique pour voir ce qu'on lit. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.